Beauty Addictor, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. On se retrouve enfin pour pouvoir parler des fameuses applications cosmétiques que j'utilise, vous expliquer pourquoi je les utilise, comment les utiliser, comment les trouver aussi, et on voit ça. Donc, je vais commencer à vous parler de l'application Quelle Cosmétique. Alors, Quelle Cosmétique, que je l'ai découvert il y a un peu moins d'un an. Et c'est ce qui m'a permis, c'est la première application qui m'a permis de voir un peu plus clair dans mes produits, dans les ingrédients que je mettais sur ma peau, tout simplement. Donc j'ai découvert cette application via une vidéo sur YouTube aussi, d'une jeune femme qui en parlait en disant qu'elle commençait à scanner tous ses produits parce qu'elle avait constaté que dans certains, la composition était très très inquiétante, telle que du phénoxyéthanol, des parabènes, du silicone, des perturbateurs endocriniens, des microplastiques, donc et j'en passe, tellement de mauvais produits, de mauvaises molécules qui pouvaient tellement nuire à notre santé. Donc moi aussi j'ai décidé de télécharger cette application. Donc on peut la télécharger que ce soit sur Android ou sur iPhone sans aucun problème. C'est une application gratuite. Elle nous permet de scanner les produits cosmétiques, de voir la liste de des composants, ce qui nous permet d'analyser un peu plus près ce qu'on applique sur notre peau. Et grande surprise pour moi, j'ai pu constater que des produits que j'utilisais au quotidien, tels que des shampoings ou même des crèmes de jour ou même le nettoyant pour le visage, étaient remplis de PEG, de microplastiques, de perturbateurs endocriniens. J'en reviendrai un petit peu à la fin de la vidéo sur les perturbateurs endocriniens. En fait, je vous explique en quoi c'est très grave pour nous et en quoi il faut vraiment faire attention dans les cosmétiques avec ces produits-là, en fait, que c'est très très risqué d'utiliser des produits aussi toxiques pour notre peau, ainsi que pour nous, que pour nos enfants, que pour notre conjoint, vraiment pour tout le monde. Il faut vraiment faire un tri de ce qui est bon et de ce qui ne l'est pas. Et voilà, donc Quelle Cosmétique nous permet de mettre à jour tout ce qui est irritant, allergène, produits dangereux. Et en même temps, ça nous permet aussi de voir le vrai du faux, donc les greenwashing, tout ce genre de produits faux. Je mettrai bien des guillemets, parce que c'est des vrais produits, mais constitués de tellement de produits dérivés, synthétiques, que ça devient même des produits totalement faux. Et voilà, donc c'est pour ça que moi, ces applications, en tout cas cette application, au départ, m'a beaucoup aidée. Ensuite, je vais vous parler de mon application chouchou, c'est l'application Insee Beauty. En fait, Insee Beauty, c'est une application qui a été lancée en janvier 2018 et en même temps, ça reprenait les nomenclatures des composants chimiques précisément, et en même temps, ils nous disaient est-ce que c'était bon, est-ce que c'était pas terrible ou est-ce que c'était vraiment excellent, et ça nous permettait de juger un peu mieux le produit en fait. Et ce qui est bien aussi, c'est que on peut avoir aussi la définition des molécules qu'on cherche, qu'on voit à l'intérieur, qui semblent pas terribles. On peut savoir à quoi ça peut entraîner comme problème sur la peau. C'est vraiment, franchement, une manière de décortiquer ces cosmétiques qui est plutôt intéressant, moi je trouve. Et donc voilà. Donc, et aussi, ce qui est bien, c'est que Insee Beauty tire sa base un peu de du livre La vérité sur les cosmétiques de Rita Stins. Ce livre là c'est une pépite qui nous permet de décortiquer les cosmétiques encore plus que les applications, pour mieux comprendre, pour mieux consommer, d'où le fait que moi j'ai pris la décision de passer au naturel et au bio. C'est vraiment dû au fait que j'ai pu constater qu'on est rempli de produits synthétiques, de microplastiques, de perturbateurs endocriniens. Et je reviens sur cette notion de perturbateurs endocriniens. En fait, dans les cosmétiques, on retrouve des molécules, des particules qui vont interagir avec nos hormones, voire même avec nos glandes lymphatiques ou même avec notre système nerveux, ce qui crée vraiment toute cette perturbation avec les glandes endocrines, clairement. Et c'est ce qui nous entraîne toutes ces,
ces problèmes de santé. Multiples sont-elles, des problèmes de dérèglement de règles ou même des problèmes de fertilité. Énormément de problèmes dus à cette présence de ces produits nocifs dans nos cosmétiques. Ma préférence part sur Inti Beauty parce que Inti Beauty permet à la fois de comprendre les molécules, et ça moi je trouve intéressant dans le sens où par exemple le phénoxyéthanol qui est considéré comme pas terrible, vraiment pas bon en fait, ben on constate que c'est dans énormément de produits, même parfois des produits dits un peu clean, il y en a du phénoxyéthanol ou des parabènes à l'intérieur. Donc moi je trouve que nous permettent aussi de voir aussi que les marques nous leurrent totalement sur la qualité des produits, sur tout ce qui est composition. Moi je trouve que c'est hyper hyper intéressant de pouvoir trier le vrai du faux et de pouvoir appliquer sur soi ou sur son bébé des produits clean, green et meilleur pour notre santé, pour notre peau et sans risque, et je dis bien risque pour notre santé. Alors, il y a possibilité aussi de télécharger Inti Beauty de manière classique, que ce soit sur Android ou sur iPhone. Je vous conseille de télécharger les deux applis, Quel Cosmétique et Inti Beauty, et à chaque fois de faire sur les deux. Ce qui vous permet aussi de voir sur quel cosmétique, à quelle catégorie c'est dangereux. Vous avez les bébés, vous avez les femmes enceintes, vous avez les adultes, et ça nous permet de ça vous permettra de juger est-ce que c'est bon pour vous, à peu près bon pour vous, ou très très mauvais aussi pour vous et pour votre enfant. Donc vraiment de pouvoir juger au mieux, et Inti Beauty va vous accompagner, surtout vous pouvez faire des recherches aussi, il y a plus de facilité à rechercher un produit que vous voulez avoir, que vous, par exemple vous n'avez pas sous la main pour scanner, vous pouvez taper le nom du produit, le trouver dans la barre de recherche, et ça je trouve plutôt sympa. Et vous avez même des commentaires, des avis, et je trouve que c'est plutôt intéressant. En tout cas, j'espère que ça vous a un petit peu éclairé les deux applications que je vous ai proposées. J'espère que vous allez les télécharger rapidement pour pouvoir en profiter un maximum des bienfaits de la bonne cosmétique, des produits bons pour vous. Et en tout cas, si cette vidéo vous a plu, si mes vidéos vous plaisent et si mon contenu vous correspond, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner. Je serai hyper contente de vous accueillir dans mon aventure YouTube. Je vous fais de gros gros bisous et je vous dis à très vite.